Il s'agit ici d'un circuit comportant trois ateliers. Les enfants, répartis sur les trois ateliers, font une rotation quand l'encadrant le décide. Après une course de quelques mètres freinée par le partenaire, on tentera de lancer la comète qui sera rattrapée sans tomber au sol. La gestuelle doit bien être celle d'un lancer et non d'un pousser vers le haut. Le ballon de volley doit percuter le ballon de baudruche par le dessous pour pouvoir maintenir ce dernier en l'air. Selon les aptitudes des enfants, le ballon de volley sera tenu à deux mains ou lancé vers le ballon de baudruche pour le percuter. Il est nécessaire de lire la trajectoire du ballon de volley pour pouvoir anticiper la pose du cerceau à son point de chute. On rattrape le ballon de volley après le rebond, pendant que le partenaire passe au travers du cerceau. On peut inverser les rôles à chaque fois ou seulement après une réussite.